Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans un petit village près de Carcassonne dans l'Aude. Si je suis ici, c'est pour rencontrer un ancien cycliste professionnel. Ce coureur, c'est Pierre Campagnaro. Il a gagné beaucoup de courses en tant qu'amateur et puis à la fin des années 60, il est passé professionnel dans l'équipe BIC, l'équipe de Jacques Anquetil. Il a accepté gentiment de me recevoir chez lui pour évoquer ses années de coureur amateur et de coureur professionnel. Donc tout de suite, c'est l'interview vintage avec Pierre Campagnaro. Je me souviens de mon premier vélo, oui. Et c'est mon patron, quand j'étais apprenti mécanicien, qui me l'a acheté. Voilà, et donc c'est là où j'ai débuté ma carrière en cadet. J'avais 16 ans, quoi. Voilà mon premier vélo. C'était quoi ? C'était un vélo, c'était un Peugeot. On avait acheté chez Maurice Renault à l'époque, qui était sur le boulevard Carcassonne, là. Et bon, un vélo de l'époque, hein. Bon, c'était pas... C'est pédale en acier, pédalier en acier. Bon, c'était pas maintenant comme maintenant, tout en aluminium, en titane, et ainsi de suite, quoi. Bon, on était tous pareils, hein. On avait tous le même vélo, hein, à peu près. Hein. Ma première course, oui, je me souviens, c'était à Tézan-les-Béziers, en cadet. Et c'est un ami qui m'a mené à cette course avec une traction. Oui. Et on avait mis le vélo couché sur le toit. Pas en l'air comme on met maintenant. Et ma première course là, et puis bon, il y avait quand même un bon paquet de coureurs, on était à peu près dans les 80, je me souviens, et il s'appelait Marinello, je peux le citer parce que c'était un fervent de vélo, et puis il me disait toujours, allez en tête, tiens-toi en tête, tiens-toi dans les 10 premiers, parce que c'est là où tu la course de gagne. Et puis bon, j'étais jeune, et puis bon, je regardais un petit peu toujours chaque tour mon sponsor là. Et puis bon, mais je ne me rappelle plus du résultat. Voilà, je finis dans le peloton, mais c'est tout. Voilà, ma première course. Alors ma première victoire, c'était à Castelnuovo. À Castelnuovo, une course cadet aussi, que j'arrive avec 5 minutes d'avance, tout seul. Et c'est là qu'en cadet, où j'ai gagné une dizaine, 10 ou 12 victoires dans la saison. Quoi. Voilà. Bon, à 18 ans, je passais junior. Voilà. Et je courais avec les premières catégories. Parce qu'il y avait une première, deuxième, troisième et quatrième catégorie. Donc moi j'avais pris une licence quatrième catégorie et j'avais 18 ans. Et puis là, bon, je courais à l'époque c'était les courses, c'était toutes catégories. Ouais, 1, 2, 3, 4. Et il y avait des classements pour les premières, deuxième, troisième, quatrième catégorie. Et puis là, bon, je gagnais même les courses en première catégorie. Donc c'est là où j'ai commencé, disons, tout le monde, les dirigeants, tout ça, ils m'ont dit, bon. Le père Campa, il risque de faire une bonne petite carrière. Ouais, et puis après, j'ai fait le championnat du Languedoc. Bon, je fais second. Et les deux premiers allaient au championnat de France, junior. Et là, à Saint-Hilaire-du-Harcouët, oui, c'était. En Bretagne, là-bas. Et puis, à peu près à 15 km de l'arrivée, j'étais seul échappé. Et puis le speaker, d'après mon Bernard Douce, mon manager, il était là, il dit ça y est, il va être champion de France. Et puis bon, je me fais rejoindre à 5 km de l'arrivée. Et là, les clubs parisiens ont vu que j'avais du talent et que presque j'allais gagner ce champion de France. C'est là où, l'année après, en 61, je signe à Puteaux, à Paris. Voilà. Et j'ai fait ma carrière après à Paris. Voilà. Et là, à Paris, j'ai gagné les grandes classiques internationales, Paris-Évreux, Paris-Cailleux, Paris-Rouen,
pas mal de belles courses. Quoi. Ben, le service militaire, bon, j'ai fait au bâton de Jamide, bien sûr, comme tous les grands sportifs. Et là, bon, on ne faisait que du vélo. La tenue civile, on avait toujours la tenue civile, on prenait le train en tenue civile, on avait tout ce qu'il fallait. Et puis c'est là que j'ai gagné toutes les courses. Quoi. Les grandes courses amateurs, c'était oui, international. Quoi. Il y avait des Belges, des Italiens et tout. J'avais une réputation de rouleur sprinter, voilà. Et dans l'équipe BIC, ils n'avaient pas justement vraiment des sprinters. Alors c'est pour ça qu'ils m'ont recruté, bon, ils m'ont donné ma chance. Bon, mais j'ai gagné quelques courses en professionnel, comme le circuit de Plot. J'ai fait deuxième d'une étape du Tour de l'Oise, j'ai fait deuxième du Grand Prix des Libres à Montpellier. J'ai pas fait de grandes victoires parce que quand même, quand tu es professionnel, il y a quand même des coureurs sprinters quand même qui sont là. Quoi. Là où je courais beaucoup, c'était, ils me faisaient courir en Belgique. Voilà. Comme j'aimais pas trop, mais... Mais bon, c'était en Belgique, là-bas, c'est vraiment, il faut courir, hein, parce qu'avec les flahuts, ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Mais il m'a dit, oui, il m'a dit, je me dis, tu vas courir en Belgique, ça forge les jeunes, c'est ce qu'il faut là-bas, il me dit. Et puis, j'ai dit, oui, je disais, mais vous me donnez de bonnes intentions de courir avec les Belges. Hein. Alors, surtout que, bon, c'était à l'époque, il y avait un Cotfrot, Vincent Springel, tout ça et tout, des costauds, quoi. Mais bon, j'ai des bonnes expériences, quoi, chez BIC. C'était une belle expérience. Maintenant, je serais été dans une équipe comme Peugeot, comme l'équipe de Gribaldi, Sonolore, tout ça et tout. Bon, peut-être que j'aurais fait une meilleure carrière. Oui, parce qu'il y avait moins de champions. Voilà. Et là, moi, je suis tombé, je ne sais pas, dans une équipe là, où il y en avait sur 15, il y en avait sur 10, il y en avait 10 qui étaient toujours leaders, quoi, qui pouvaient gagner. Donc j'étais toujours au service de 2-1, quoi, voilà. J'ai mis à lui, il montait la hauteur avec la voiture, il me dit, allez, il faut boucher le trou, et on était là devant, et bon. Après l'arrivée, bien sûr, le sprint, on avait au moins de la gorge, hein. J'étais bien entouré, surtout avec Lucien Aymar, qui m'a toujours apprécié. Même Anquetil, même sa femme Jeannine, que j'ai toujours eu des relations amicales. Et on était une bonne équipe quand même, qui était, d'après ce que lui, pour Jacques, bon, il avait sa réputation. Bon, mais c'était un gentil garçon, et puis sociable, et puis avec nous, il était vraiment super, quoi. On était vraiment une équipe, l'équipe BIC, là, c'est vraiment soudé. On s'entraînait tous ensemble, vous voyez, on allait chaque année à Saint-Égulf, là, au camp d'entraînement. Une année, là, bon, à Saint-Égulf, il voulait me... Je demandais à Jean, bon, pour le tour. Non, il me dit, écoute, tu le feras l'année prochaine. Bon, ben, je dis, écoute, si c'est ça, il me dit, non, bon, un jeune, qu'est-ce qu'il veut faire le tour, hein. Bon, c'est normal, hein. Bon. Il me dit, non, mais écoute, je vais voir de Gribaldi, tu le feras avec lui, bon, dans son équipe. Oh, j'ai dit, non, changer d'équipe comme ça, j'ai dit, non, j'aime. Alors, j'ai pris la photo des campettes et puis je suis rentré à Carcassonne, hein. Voilà comme j'ai abandonné l'équipe BIC. Après, il m'a rappelé au mois de mars, hein, c'était en janvier. Bon, mais écoute, bon, mais tu prépares-toi, bon,
tu vas refaire le tour en Angleterre. Tu vas faire. Non, non, j'ai dit j'aime, j'ai plus le moral, et puis. Bon, alors ça fait que j'arrête là. Oui, oui, j'ai des regrets parce que je sais pas, pourtant c'est pas mon tempérament, mais j'ai eu un goût là. Ça serait maintenant, j'aurais du recul. Mais là, vous savez, quand tu es jeune, puis que tu es dans une équipe comme ça et tout, boum, boum. Surtout qu'on arrive à s'entraîner, on avait fait 150 km dans le Var là, avec toutes les bosses qu'il y a sur Nice, là, tout ça et tout. Et puis, réunion. Allez, une fois qu'on a pris la douche et tout, avant de manger réunion, bon, et puis ils t'annoncent ça, bon, ça m'a foutu un pet. Bon. Alors, bon, j'arrêtais plus. Voilà. Quand j'étais professeur olympique à l'INS, à l'Institut des Sports, j'étais premier sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et bien, on était tous alignés là, et puis j'ai touché la main au général de Gaulle, qui est venu, et puis toute l'équipe était là, et chacun disait de sa région. Et moi, quand il passe à moi, il me dit « Pierre Campagnaro, Languedoc ». Ah, il m'a fait le Languedoc. Ça, c'est un souvenir que j'ai du général de Gaulle. Bon, ben, oui, après, c'était sympa parce qu'on était tous en préparation olympique. Il y avait tous les il y avait Jazzy, il y avait Kiki Garon, il y avait Jo González de Narbonne, tout le staff, c'est mon ami, qui était aux Jeux Olympiques de Tokyo en 64, quoi, à Tokyo. Je suis parlé parce que j'ai eu un accident de voiture, voiture et de vélo. Et j'ai passé quelques jours à l'hôpital à Blois. Et puis là, bon, après, pour reprendre la forme et tout, Robert Loubron, le directeur national de l'équipe de France amateur, m'a dit, écoute, est-ce que ça ira et tout. Alors, j'ai fait quelques courses, là, bon, mais j'étais poussif. C'est quand tu ne touches pas 15-20 jours le vélo, pour repartir, après c'est dur. Hein. Et c'est Christian Raymond qui a pris ma place. Voilà. Il était chez Peugeot, lui, Christian Raymond. Voilà, j'ai regretté. Ça, j'ai regretté de ne pas faire les Jeux. Voilà. Et j'avais tout pris. J'avais pris les mesures pour le costume, l'habillement. J'étais tout pris, quoi. Et là, cet accident avec André Desvages, que lui est allé. On allait une course à Tours. Et puis il y a un tracteur qui coupe la route, on y a, avec une dauphine, il y a pété un plein dedans. J'ai eu tout ça ouvert, les côtes, enfin bon. Et lui, il a eu comme il était au volant, il a tenu le coup, il n'a eu qu'un pété au genou, mais bon, il n'a plus. Et Desvages, lui, il a fait la course par équipe à Tokyo. Et ouais, ça, les Jeux, j'aurais aimé les faire. Hein. Anquetil et Poulidor, c'était bon, un petit peu les journalistes qui ont fait un petit peu d'amalgame, quoi, tout ça. Bon, mais ils étaient bien copains. Hein. Dans le Tour Méditerranéen, dans toutes les courses, même au Tour de France, moi, quand j'y allais, ils mangeaient ensemble, ils jouaient aux cartes ensemble, ouais, c'était vraiment des amis. D'ailleurs, quand on interview Poulidor, quand il pense d'Anquetil, il dit bon, c'est un champion, quoi. Vraiment un type. Il n'a jamais dit du mal d'Anquetil. Hein. Et au contraire, il le portait au pinacle. Hein. C'était pour lui un état terrestre. Hein. Ah oui. Il y en a un qu'on m'a volé. Je venais de m'entraîner en Espagne. Je l'ai laissé le temps de prendre ma douche. Je descends, il n'y était plus. Bon. Après, on avait trois vélos de rechange, et puis les autres, bon, je les ai donnés à des copains, des fanatiques là, de vélos, qui les ont toujours. Hein.
Oui, même maintenant, je crois qu'ils valent aussi cher qu'un un loup, comme tu commences, qui vaut 5, entre 3 ou 4 ou 5 000 euros. C'est vrai, il y en a qui les collectionnent, les anciens mélons. Je suis président du club de la SEC, je m'occupe des jeunes. Et j'organise des courses, j'ai beaucoup organisé des courses, comme j'avais une concession automobile, je peux citer, c'était Volvo, Nissan, j'organisais le Grand Prix Volvo chaque année, que ce soit en Narbonne. De là, je faisais un trophée sur les courses. Je faisais aussi à Carcassonne, là, le Grand Prix Volvo Carcassonne Rennes-les-Bains, où Gérard Berle a gagné avec 5 minutes d'avance. et puis je me suis bien occupé quoi, j'y suis toujours, hein, j'y suis toujours. Malgré même mon âge, tant pis. Mais en fait, je pédale plus quand même. Hein. Bon, je les suis en voiture. Nous, on a un club, la SEC, qui existe depuis 100 ans. Hein, le club de la SEC cycliste, c'est un club qui a fait ses preuves et tout et tout. Puis, on a vu qu'à l'époque de... On a vu à l'époque comme licencié, on a eu Dan Guillaume, on a eu de l'Épine, on a eu des anciens coureurs hein, qui sont venus se greffer au sein de la SEC cycliste. Je fais toujours du vélo, ouais. Ouais, mais bon, ça se limite à 50, 60, 80 km maximum. Hein. Ouais. Non, mais ça va, moi, j'ai toujours aimé ça. Hein, et puis, c'était ma passion, quoi, c'est tout. Depuis toujours, depuis l'âge de 14 ans, c'était ma passion, quoi. Alors, mon meilleur souvenir. Mauvais ou bon? ton meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir, c'était une course là, j'étais au Midi Libre là. Et Anquetil m'a dit, tu n'as pas le bidon, qu'est-ce que tu as un peu d'eau? Et j'ai dit non, j'ai tout vide. Bon, alors en descendant sur, avant d'arriver à Montpellier là, comment s'appelle le patelin là, il y avait une fontaine. Je m'arrête, je remplis le bidon, je le mets dans l'eau et puis j'ai mis 10 km pour revenir sur le peloton. J'arrive pour lui donner le bidon, il fait comme ça, il me dit mais elle est chaude ton eau, pouf, il me la jette. Puis, alors là, les jambes coupées. Voilà. Ouais, ça j'ai un souvenir, celui-là. Alors, incroyable. Il me dit, mais elle est chaude ton eau. Il me jette le bidon. Le pire souvenir, il y en a des pires souvenirs. C'est une étape autour d'Espagne. Et j'avais pris une fringale. Et Julio Jiménez, qui a fait deuxième du Tour de France, là. Et il vient à ma hauteur, il me donne un petit peu une banane, un petit peu de quoi manger. Et c'était à combien? À 30 km de l'arrivée. Mais j'avais pris un coup de bambou, alors incroyable. Et je me fais lâcher. Je ne peux plus. J'arrive sur la ligne d'arrivée. Et je me mets après la ligne. Et puis je me mets allongé là, je ne voyais plus. Tellement que j'avais une fringale, c'est terrible la fringale en vélo. Hein. Et puis j'aime bien venir me voir, il me dit allez, il me dit monte dans la voiture, on rentre à l'hôtel. Et à l'hôtel, bon, j'ai commencé à prendre ma douche, tout ça, me masser, tout ça et tout, bon, ça allait mieux. Ça allait mieux. Mais là, j'ai un mauvais souvenir. Hein. Le lendemain, je fais troisième à l'étape de l'Irida, au sprint. Bon, mais je n'ai pas gagné d'étape.